s'attendait à une finale serrée, il n'y en a pas eu. Parce que comme lorsqu'on voit jouer Federer ou Nadal, il y a un moment le talent qui fait la différence. On avait le maître et les élèves, je dis bien les élèves parce que Chabinza était énorme, Philippe, mais on a l'impression parfois qu'il regardait la démonstration de derrière en faisant sa partie, en livrant ses pelotes. Mais quel Goico Echea qui a envie de quitter Saint-Jean-de-Luz et la France en disant je pars pour les États-Unis mais le meilleur c'est moi. Voilà, exactement. On a eu cette chance quand même de pouvoir découvrir quand même Goico Echea vraiment dans le haut niveau, l'efficacité accompagnée d'un hasard. Ça fait formidable quoi. Mais c'est vrai qu'en face on est un peu déçu. On est un peu déçu, on sort un peu, voilà, un peu à ventre ferme. Cependant, il faut affirmer et se dire que les meilleurs ce soir c'est Goico Echea et Hanza. Voilà, une panoplie extraordinaire d'attaques, vous pourrez revoir en multidiffusion sur les antennes de Canal. Lorsque la Sesta Punta joue à ce niveau-là, eh bien, le talent fait la différence. Il y avait un énorme champion et trois internationaux, mais l'énorme champion a fait la différence. Chapeau Monsieur Goico Echea et mention spéciale aussi à Chabinza, un des joueurs d'équipe de France de Philippe Etcheverry qui a été très bon. C'est le meilleur de la Sesta Punta et Monsieur Goico Echea a fait le travail ce soir.